Seigneur, on vient juste de chanter que ton amour se rend jusqu'aux cieux, mais moi, je pense à l'idée que l'amour de Dieu est venu jusqu'à la terre. Il s'est fait homme pour nous, les pécheurs, qui ne voulaient rien savoir de toi. Tu t'es fait homme et tu t'es fait péché, comme on a aussi chanté. Un mystère qu'on ne peut jamais complètement comprendre, comment Dieu peut devenir péché. Comment Dieu peut se rejeter lui-même sur la croix. Comment le Père et le Fils peuvent briser communion. Ce qu'on sait, c'est qu'on a été faufilés en plein milieu de cette rupture. Et maintenant, on existe en plein milieu de la Trinité. On existe avec l'Esprit qui est en nous, le Fils qui est notre médiateur et le Père qui nous embrasse. On est de tous les parts bénis. Dieu parle avec Dieu à travers nous. C'est quelque chose d'extraordinaire si on peut vraiment s'y abandonner. Et donc, présentement, par Dieu, je prie à Dieu, par l'entremise de Dieu le Fils. Et on t'invoque et on te supplie de bien vouloir ouvrir nos cœurs et nos pensées en regardant un passage qui nous rappelle de te faire confiance. On demande que tu nous aides à vraiment te faire confiance, donc, à vraiment te connaître assez bien, assez profondément et complètement pour faire un pas de foi, si je peux dire, et plusieurs autres, et de juste te faire confiance. Prie, Père, que tu nous donnes bien la sagesse et la capacité de pouvoir adéquatement expliquer ces choses. Et encore une fois, je te remercie parce que c'est tellement un privilège de pouvoir baigner dans ta parole, l'approfondir, la décortiquer, lutter avec et en ressortir victorieux par l'aide de Dieu. Et maintenant, j'ai aussi la joie de pouvoir être celui qui va en avant des gens et qui dit « Ainsi parle l'Éternel et tu vas parler. » Comme bon te semble, à chaque personne, à chaque cœur, selon leurs besoins, tu vas parler. Ça va sortir de ma bouche, mais c'est ton esprit qui va leur parler. Comme tu veux bien le faire. Père, qu'on puisse vraiment prendre au sérieux ta parole. Prendre au sérieux que c'est une lettre d'amour que tu nous as écrite pour qu'on puisse connaître ton cœur dans toute sa beauté. De Lévitique jusqu'à l'Apocalypse, c'est Dieu qui se révèle à nous. C'est Dieu qui nous montre une petite facette de plus de qui il est, de qu'est-ce qu'il pense, de qu'est-ce qui est important pour lui. En d'autres mots, c'est ton cœur qui se dévoile à nous. Donc, non que les gens ne m'écoutent pas, qu'est-ce que j'ai à dire, mais oui, que tu dévoiles ton cœur à eux. Qu'on puisse le voir, admirer et agir en conséquence. L'amour répond à l'amour. Et l'amour agit. Père, rappelle-nous combien tu nous aimes pour qu'on agisse en conséquence. Amen. Tournez, s'il vous plaît, dans Proverbes chapitre 11 pour continuer notre étude de Proverbes. Ah, non. Mais tournez quand même dans Proverbes chapitre 11. Venez comprendre bien rapidement. En passant, désolé pour le blog, je l'ai fait. J'ai oublié de le mettre sur le site. Si vous êtes rendu dans Proverbes, mettez votre doigt et ensuite, venez bien sûr me rejoindre dans 2 Corinthiens, chapitre 9. On est rendu à un autre bloc, du verset 6 jusqu'au verset 15, qu'on va se permettre de couper en deux pour prendre deux petites bouchées et bien se régaler. Mais avant, on va reculer. On va se rappeler qu'est-ce qui se passe jusqu'à maintenant. On va se rappeler qu'on est dans la mi-section des chapitres 8 et 9. La mi-section où est-ce que Dieu veut nous enseigner sur comment utiliser nos ressources, nos biens, nos richesses. Il le fait par l'entremise de l'apôtre Paul, qui est en train de motiver les Corinthiens de vraiment participer de plein cœur à la collecte. Paul va les provoquer à agir, d'un côté par les Macédoniens et leur générosité excessive, et de l'autre côté par les envoyés hyper zélés. Quand il finit de tout faire ça, au chapitre 9, au tout début, il dit « J'ai fait le tour, c'est assez, maintenant je vais envoyer les zélés. » Et il a fini. On comprend le verset 1 à 5, il a fini de vraiment attaquer directement les Corinthiens. Donc, à partir du verset 6, c'est plus subtil. C'est plus pas qu'il mentionne de façon générale. Certains principes généraux, je dirais même. Mais il faut faire attention parce que les principes généraux ne viennent pas avant l'intention principale. Ou en d'autres mots, le contexte historique, qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens avant tout? Lorsqu'on dissocie qu'est-ce que Paul a à dire aux Corinthiens, puis on a fait juste des admonitions générales, bien, on perd la puissance de qu'est-ce que Dieu voulait dire. Je vais donner un exemple à Éphésiens. Dans le chapitre 6, Paul nous dit qu'il y a un combat spirituel, c'est pas avec la chair, c'est contre les principautés, les parts de la mûre. Puis là, on dit quoi? Il y a une guerre spirituelle, il faut se battre contre Satan, puis il y en a qui poussent vraiment loin.
Wow, un instant. Paul parle aux Éphésiens. On sait par le livre de Actes que la ville d'Éphèse était remplie de magie noire et d'actes démoniaques. Donc, c'est normal que Paul leur dise à eux, il y a une guerre spirituelle, mais nous, on s'accroche à Christ. Parce que les Éphésiens connaissaient ça. Un peu comme les gens en Haïti maintenant avec le voodoo. Eux aussi, Paul dirait la même chose. Oui, il y a une guerre spirituelle, mais nous, on se concentre sur Christ, pas les démons. C'est ça que, si on dit ceci, ça, bien, on va dans les folies qu'on voit des fois. Même chose avec notre texte, comme on va voir. Je résumerai notre petit passage, 6 à 10, en disant, faites confiance à Dieu et agissez. C'est ça que Paul veut nous enseigner, comme on va voir en lisant les versets 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Je vous dirais ici que ma séparation, ce n'est pas juste pour être équitable, 5 versets, 5 versets. C'est parce que dans les versets 6 à 10, Paul fait le tour. Il commence au verset 6 en parlant de la semence. Il termine au verset 10 en parlant de la semence. Donc, on comprend, il a fait le tour. Il fait un beau cercle dans lequel il va justement nous présenter une image d'agricole. C'est comme ça qu'il veut parler aux Corinthiens et à nous aussi. Donc, Paul va utiliser vraiment ses plus grands arguments, ses répétitions, ses contrastes, ses jeux de mots. En plus, il va utiliser ses deux arguments principaux, divin et biblique. D'un bord, il va nous pointer vers Dieu à quelques reprises, et de l'autre, il va utiliser des citations et même des versets qu'il va réinventer. Il va faire comme un copier-coller, un amalgame de je prends des idées de proverbes et je vais en faire un proverbe à moi-même, comme je vais vous montrer. Et le tout commence ou continue au verset 6, lorsque Paul dit « de plus ». Ce petit mot « liaison » est important, c'est pour ça que je le mentionne, parce qu'il nous montre que Paul veut continuer, mais en même temps, il veut s'enligner différemment. On sait au verset 1 à 5 qu'il a fait le tour, donc il ne veut pas directement dire aux Corinthiens « vous devez donner », mais j'ai encore des choses à vous dire, donc « de plus », voici autre chose que j'aimerais vous mentionner. Sachez-le, vous devriez le savoir, tout le monde devrait le reconnaître, et c'est là qu'il se lance dans son proverbe inventé. C'est là que je vous demanderai de tourner dans Proverbe chapitre 11. Et écoutez bien les versets 24 à 26. « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. » Donc, si on prend toutes ces idées des trois versets-là et d'autres proverbes, on comprend que Paul est imbibé de cette idée et boum, donne naissance au verset 6. Et oui, ça vient avec un effet sonore, boum. C'est comme ça que Paul écrit. Je vous dirais que le proverbe que Paul nous donne, ce n'est pas juste une vérité de base. Tu donnes un peu, tu as un petit peu, tu donnes beaucoup, tu as beaucoup. Parce que Paul va vraiment utiliser des mots frappants. D'un côté, il va faire un contraste assez énorme. Le mot « peu », c'est le mot « parcimonie ». Le ceux qui ne parlent pas du vieux français, ça veut dire « cheap ». Paul utilise un mot qui vraiment dit que c'est « cheap ». Si tu es « cheap », ça va être « cheap », qu'est-ce que tu vas avoir? Ça va être comme aller au Dollarama. Désolé pour ceux qui y vont. De l'autre côté, tu as le mot « abondamment ». C'est le mot « eulogia ». Ça a l'idée d'éloge, de louange ou de bénédiction par-dessus bénédiction. Comme un message d'un funérail où est-ce que tu accumules tous les bienfaits que la personne a fait, puis tu en parles tout en bien. C'est ça l'idée ici, c'est tu accumules les bénédictions. Ça me permet de faire ici une petite correction. Au verset 5, j'avais dit que le mot « libéralité », qu'on voit deux fois, c'était le mot « eucharistie ». Je ne sais pas si je ne regardais pas la bonne place. En réalité, le mot « libéralité », c'est encore une fois « eulogia ». Ça nous montre que Paul fait un lien entre le verset 5 et le verset 6. Il est toujours sur la même pensée ici. Et là, ça nous ramène au contraste. D'un bord, tu as cheap Dollarama, de l'autre, tu as abondance Costco.
C'est ça que je vous dis, parce que c'est des mots qui frappent, qui nous montrent que c'est vraiment tout un contraste que Paul veut nous montrer. Personnellement, le verset 6 me fait penser un petit peu à la parabole du semeur. Hein, comment le semeur, il est vraiment justement libéral, il garoche partout. Il y en a, ça va sur les endroits pierreux, sur les mauvaises herbes, puis la bonne terre aussi. Et c'est là que la petite semence, cette petite affaire comme ça, en produit 20, 40, 60, 100. C'est ça que Paul essaie de nous dire. Pitchez partout, puis faites confiance qu'il va en avoir jusqu'à 100. Juste à quoi, quand il ne fait pas confiance, c'est là qu'il nous fait regarder à Dieu au verset 7. Mais avant que nous, on regarde à Dieu, on va regarder les autres contrastes que Paul fait dans le verset 7. Des contrastes que j'appellerais non-émotionnels, émotionnels, et les répète le même argument. Je m'explique un peu plus. Le premier terme que Paul utilise, résolu, ou une résolution, un peu comme en français, ça a l'idée que c'est une décision, t'es ferme, et bien sûr, c'est mental. Paul, il dit peut-être résolu dans ton cœur, mais rappelez-vous que les Juifs, le cœur, c'est la tour de contrôle, c'est la tête. Nous, on dit tête, eux disaient cœur, c'est la même chose. Donc, tu as fait un choix non émotionnel. Et ensuite, on va sur le fait que c'est pas avec tristesse. Ça, c'est fortement émotionnel. Ça, c'est vexation, frustration. C'est que tu as fait une offrande d'amour de 5 000 $, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est ça. T'es pas aussi exagéré, mais le mot, il est fort. Donc, le cœur, il est impliqué. Et là, on revient à non émotionnel avec contraint. On t'a tordu le bras, on t'a obligé. Ton cœur, il est pas du tout impliqué. Tu as été forcé. Et finalement, on a avec joie à la fin. Hilaron. Pensez pas ici à l'idée que tu ris pendant que tu donnes de l'argent comme Sarah Ève. Elle rit beaucoup. Elle rit déjà. C'est pas ça l'idée. Hilaron a plus l'idée que tu es résolu et que tu es satisfait dans ton choix. Avec un accent sur satisfait. Content, comme on a mentionné la dernière fois. Tu es vraiment heureux ou joyeux d'avoir fait cette résolution. Donc, c'est ça que je veux dire par des contrastes de non émotionnel et émotionnel. Où est-ce qu'il nous dit justement, pour que ton choix soit résolu, non émotionnel, pas avec tristesse émotionnelle, faut que ce soit par contrainte non émotionnelle, mais il faut que ce soit avec joie émotionnelle. La tête et le cœur doivent être impliqués. Et c'est là que Dieu est heureux. C'est là que Dieu t'aime. Il le dit, hein, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Agapé, un amour engagé. Je comprends les versets 7 de cette façon. Dieu s'engage envers ceux qui s'engagent à donner avec joie. Je répète, Dieu s'engage envers ceux qui s'engagent à donner avec joie. Dieu s'engage à faire quoi, Dieu? Verset 8. Le verset 8 qui commence avec un petit mot de liaison « et », on comprend que Paul continue son idée. Car Dieu aime celui qui donne avec joie et Dieu, justement, va montrer cet amour avec ce pouvoir peu dunamé pour nous combler. Qui est le mot ici, périssiou. On a déjà vu le mot péri, c'est le fait de faire le tour. Et donc, l'idée, c'est que ça déborde la coupe. Littéralement, le mot veut dire surabondance. Et c'est le même mot qu'on voit dans la dernière énoncé du verset 8, abondance. Donc, le fait que Paul fait déjà de la répétition ici encore, abondance et abondance, on voit qu'il y a un lien entre les deux énoncés. Donc, d'un bord, Paul nous dit que Dieu, avec son pouvoir, va surabonder toutes sortes de grâces. Ne pensez pas à faveur d'immérité. Parce que Paul nous a déjà montré comment il veut utiliser ce mot au chapitre 8, les versets 6 et 7. Je vous rappellerai, si vous allez voir justement, ça parle d'une œuvre de bienfaisance, de bénédiction. Bien, je vous l'ai dit, le mot bienfaisance, c'est grâce. Donc, présentement, pour Paul, dans ce texte, grâce, c'est l'idée de bénédiction. C'est l'idée que Dieu va nous bénir. Et dans le contexte, c'est financièrement, c'est terre à terre. Dieu va nous bénir. Yay! Pour l'évangile de la prospérité. Afin que... Oups, il y a un but. C'est pas juste pour te bénir. Il y a un but. C'est ici que je voudrais vous montrer, par l'entremise de la Darby, comment Paul veut vraiment faire ici ce que je pourrais appeler la première fois, en tout cas jusqu'à mes études maintenant, une centuple répétition d'un mot de totalité. Je sais pas si c'est un vrai mot, mais je l'ai inventé sinon. Centuple répétition de totalité. On l'a déjà vu au début du verset, il dit « toutes sortes de grâces ». On l'a vu à la fin « tout bonne œuvre ».
Et là, dans le milieu, on l'a aussi dans la Louis II, mais il y a des mots de trop comme besoin qui ne sont pas là. C'est pour ça que je demanderai à notre sœur de lire afin qu'ayant jusqu'à la fin du verset 8. Verset 8, il s'est dit afin qu'ayant, après la virgule. Je pense que j'ai bien entendu, hein? Toujours, tout. C'est comme ça que Paul l'écrit dans le grec, aussi cru que ça. Toujours, tout. C'est ça que je veux dire par sainte répétition. C'est supposé être assez clair pour nous. Dieu nous donne tout, il va toujours le donner. Tu vas tout avoir ce qu'il faut pour faire toutes les œuvres. C'est-tu assez de tout? Ça couvre-tu toutes les bases? Et c'est là qu'on voit le lien, le verset 7 et 8. Si toi, tu t'engages, si toi, tu es résolu à agir, Dieu s'occupe de pourvoir que tu as besoin pour agir. C'est ça que Dieu, que Paul est en train de nous montrer dans les versets 7 et 8 ensemble. Tu es résolu, Dieu va pourvoir. Pour moi, ça me ramène au chapitre 8 un instant, lorsque Paul a fait cette vérité de base, ce « truism » comme je l'avais appelé, où est-ce que Paul nous a dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous rappelez cette petite phrase-là? Tous les chrétiens connaissent cette phrase-là. Nous, on s'imagine, ça veut dire justement que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas donner. Bien, les versets 7 et 8 semblent dire le contraire. Paul ne dit pas « ça dépend combien tu as dans le compte en banque », il dit « ça dépend de ton cœur avant tout ». Si tu as le cœur de donner, Dieu va remplir ton compte en banque pour que tu puisses donner. Ça commence avec toi, pas le compte en banque. Pas selon ce que tu as, ça commence avec ton cœur. C'est ça que Paul nous montre. Je voudrais vous montrer ceci par deux exemples. Une plus historique, une plus moderne. Quand c'est historique, c'est Testod. Ce riche qui a tout donné pour devenir missionnaire. À un certain moment donné, il est en Inde, il sent appelé à aller en Afrique. Sauf qu'aucun organisme missionnaire veut le supporter parce qu'il est trop malade. Ça ne donne rien de le payer. S'il sera en Afrique, il va mourir là. Aucun médecin, justement, dise qu'il devrait y aller parce qu'il est trop malade. Mais lui, il sait, Dieu me veut là. Donc, sans aucun support financier, il s'engage auprès d'un bateau. La journée avant qu'il doit prendre le train pour aller en bateau, Dieu pourvoit l'argent pour prendre le train. Il embarque d'un bateau sans payer, il se rend en Afrique et par l'entremise de sa femme et ses amis, il a le montant pour payer le bateau rendu là-bas. Même qu'ils ont mis ensemble un organisme missionnaire qui existe encore de nos jours et qui fonctionne un peu différemment que les autres organismes missionnaires. La plupart des autres vont dire « faut un soutien de tel pourcentage avant d'aller ». Eux, ils disent « vas-y et Dieu va pourvoir ». C'est ça leur façon d'agir. Fais confiance, si Dieu te veut là, vas-y, Dieu va pouvoir de moi en moi. Ça, c'est un exemple historique. Maintenant, un plus moderne. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Rio. Oui, vous avez entendu parler? Qui est dernièrement décédé du cancer. Il a œuvré à Rivière-du-Loup. Mais avant qu'il se rende là, il vivait dans Montréal et ses environs. Mais il savait que Dieu le voulait là-bas. Sauf qu'il n'avait toujours pas trouvé de maison. Et la journée avant qu'il doit déménager, il y a tout son stock de prêtres, là. Les gens déménagent le lendemain dans sa maison. Dieu, il a pourvu une maison, là. Et tout le long, pendant les semaines et les mois, les gens disent, « As-tu trouvé une maison? » Non, mais Dieu va pourvoir, parce qu'il me veut là-bas. C'est ça que Paul nous enseigne ici. Tu es résolu dans ton cœur, Dieu s'occupe de pourvoir le reste. M. MacArthur, face aux versets 7 et 8, nous dit ceci. C'est, « Dieu sonde les cœurs pour voir ceux qui sont généreux, et c'est là qu'il est béni. » Parce qu'il sait qu'eux vont les utiliser pour son œuvre ou pour le bien des autres. Je ne sais pas à quel point il a raison, mais je sais que les versets 7 et 8 nous montrent un peu cette idée-là. Mais juste en cas, c'est toujours pas rentré dans notre tête ou la tête des Corinthiens, Paul va bien sûr mettre un verset à l'appui. Le verset 9, comme vous voyez, ou peut-être dans votre Bible ici, c'est le psaume 112, verset 9. Où est-ce que ça dit « il a fait des largesses ». Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi une largesse. Ce que je sais, c'est que le mot grec veut dire « répandre » ou « distribuer »,« disperser ». Dans le contexte où on voit une image d'agricole, ben, Dieu est le semeur ici. Et Dieu, il a une grosse main, donc il peut en mettre de la semence. Puis il est fort, donc il peut la garrocher vraiment loin. Garrocher, c'est un terme théologique. Et comme on voit, justement, ça va venir à l'aide des indigents et sa justice subsiste à jamais. Bon, on va faire un petit cours de grec. Le mot « justice » que Paul utilise au verset 9 peut vouloir dire « justice » dans le sens « faire des œuvres justes ».
Mais ce n'est pas le mot habituel que Paul utilise. Au verset 10, il va utiliser le mot justice, vous voyez à la fin. C'est le même. Ça, c'est celui que Paul utilise habituellement pour parler de justice. Ça, c'est le typique. On revient au verset 9. Le mot que Paul utilise, dans la Septante. Et là, on est en train de voir que Paul est clairement imbibé de la parole. Là. Et bien sûr, lui utilisait la Septante. Dans cette traduction grecque de l'Ancien Testament, ce mot-là, plus souvent qu'autrement, est traduit par générosité. Là, si on prend ça en note, avec le contexte, on peut lire « Sa générosité subsiste à jamais ». Si tu comprends qu'est-ce qui vient avant, où ça parle de la générosité de Dieu, et ça nous aide à nous enligner avec ce qui suit après. Donc, selon moi, ça fait du sens que Paul dirait « Sa générosité subsiste à jamais ». Puis justement, celui, verset 10, Dieu, qui fournit chorégéon, je ne sais pas si vous l'entendez un peu, chorégraphe, c'est l'idée d'une personne qui pourvoyait pour tout en rapport avec une pièce de théâtre. C'est un riche qui payait pour les habillements, les employés, le costume, tout, c'est lui qui payait. C'est le même mot que Pierre utilise dans 2 Pierre chapitre 1, tournez-y pas, pour ça j'ai mis une petite marque. Écoutez bien le verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts. C'est le même mot. C'est le mot hippie, chorégion. Et hippie, c'est un adverbe qui parle de personnel. Donc, vous êtes les chorégraphes, Paul dit. Pierre dit, on va l'avoir. Mais Paul, lui, met l'enfant sur Dieu. C'est lui qui pourvoit tout ici. Il pourvoit la semence au semeur et le pain pour la nourriture. Et au premier regard, on pourrait penser que Paul fait juste répéter 2 énoncés qui nous montrent que Dieu pourvoit pour tout. N'est-ce pas? C'est de la semence puis de la nourriture. Mais à force de méditer sur ce qui était devant moi, et selon mon humble opinion, en phase sur opinion, il me semble que Paul nous montre ici que Dieu pourvoit de A à Z ou du début à la fin de tous nos besoins. Je vous explique. Semence, c'est vraiment le début, c'est la petite graine, tu peux aller avant ça. Que tu plantes dans la terre, que tu arroses, que tu prends soin, que tu récoltes, que tu écrases, que tu fais de la farine, que tu mets ensemble, que tu fais du pain pour te nourrir. De A à Z, c'est tout Dieu. Mais la capacité de pouvoir digérer cette nourriture vient de Dieu, comme certains ici le savent très bien, on ne peut pas tout gérer. Donc, pour ma part, il me semble que Paul nous montre que Dieu s'occupe vraiment de tout. Ce n'est pas juste le fait que la plante va pousser, c'est même le fait que tu es capable de digérer le pain. Tout vient de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire, « Oh oui, Dieu pourvoit de A à LMNOP. » Pourquoi j'ai arrêté à LMNOP? Parce qu'ils vont dire, « En Christ, on a tout ce qu'il nous faut, donc il faut juste puiser sa force maintenant. » Paul dit, et à d'autres places aussi, « Dieu fait tout. Dieu s'occupe de tout. Dieu pourvoit tout. » Il va fournir, comme il continue à dire, vous fournira, et multiplier, vous multipliera. Sauf que faites attention, le terme ne veut pas dire que Dieu ajoute encore plus, mais c'est une idée plus que de pourvoir davantage jusqu'à son comble, ou si vous voulez, le nécessaire. Ou encore plus clairement, comment Dieu s'occupe de pourvoir à chaque chrétien selon leurs besoins particuliers. Il y en a plus, il y en a moins. On a un très bon exemple avec les garçons. Ils ont plus que nous autres. En tout cas, ils ont plus que moi, ça c'est sûr. Mais Dieu fait plus avec eux autres. C'est pas moi qui vais aller à Tahiti pour combattre l'évangile de la prospérité. C'est pas moi qui vais aller aux Philippines enseigner les gens plus clairement. C'est Dieu qui a mis un cœur à eux. Et Dieu a pourvu l'argent pour qu'ils le fassent. C'est ça l'idée de multipliera. Dieu nous donne selon ce qu'il nous met à cœur de faire. Il pourvoit le nécessaire pour ce qu'il veut qu'on fasse. Et en plus, il augmentera, Dieu bien sûr, les fruits de votre justice. Pas la justice en Jésus-Christ, hein? Votre justice, votre obéissance, votre fidélité. Tu fais ta part, tes bonnes œuvres, qu'on l'a vu tantôt, et Dieu va les faire augmenter. Il va faire ça que c'est une bénédiction dans la vie des autres. Ça va porter du fruit. C'est pourquoi je reviens à ce que j'ai dit au début. Le passage devant moi se résume de cette façon. Fais confiance à Dieu et agis. C'est ça que Paul essaie de faire comprendre aux Corinthiens. Rappelez-vous un petit peu de l'histoire, OK? L'année passée, les Corinthiens ont entendu parler qu'il y a un besoin à Jérusalem. Et ils étaient en feu, zélos. Ils voulaient participer.
Je l'avais illustré par une image plus moderne. Ils ont mis 30 % de côté à chaque paye. Sauf que disons qu'ils ont besoin de 80 % pour vivre. C'est une ville de riches. Là, si vous faites bon en mathématiques, vous comprenez qu'il manque quelque chose. 30 % 80 % et je dis ceci, qu'ils donnaient autant, qu'ils sacrifiaient autant, parce qu'ensuite, Paul nous apprend en chapitre 9 que les Macédoniens, quand ils ont donné de au-delà, ils ont été encouragés par les Corinthiens avant eux. C'est pour ça que je pense que les Corinthiens, ils ont sacrifié un petit peu pour que les Macédoniens disent « on va aller encore plus loin nous autres ». Et c'est là que les faux enseignants arrivent. Ils disent « faites-vous confiance à Paul, il nous prend votre argent ». En plus, ils sont des judaïsants, donc ils disent « donnez juste 10 %, pas 30 %. » N'exagère pas, là, on donne 10 % nous autres. Paul va contredire le tout avec le passage qui est devant nous en disant « vous avez une résolution ». Vous aviez à cœur de participer avec joie. Faites confiance à Dieu et complétez cette œuvre. Mais là, nous, on va prendre ça et on va l'amener à notre situation présente. Où est-ce que nous aussi, on est appelés à faire confiance à Dieu et à agir selon la disposition qu'on a à cœur. Et tu sais que des fois, c'est épeurant d'avoir ça parce qu'on se demande, c'est une disposition de la chair ou est-ce que c'est vraiment de l'esprit? Et moi, je résous le problème ici maintenant. Vous êtes prêtes? Dans la providence de Dieu, on ne peut jamais être hors de sa volonté. Tu ne peux pas mal agir dans cette circonstance-là. Surtout quand on parle d'obéir, de servir ou d'être généreux. Tu ne peux pas être trop te donner pour Dieu. Tu ne peux pas trop être généreux au point que Dieu dit « Hey, je ne sais plus quoi faire ici. » Sinon, je reprends l'image de tantôt. Là. Donner 5 000 en offrande d'amour, mais tu as une dette de 5 000 à payer. Dieu ne va pas dire « Ouais, je voulais que tu donnes juste 2 000. Désolé, j'ai juste ça pour toi. » T'es faite pour le reste du 3 000. C'est un peu ridicule de penser à Dieu qui dit « Ouais, mais t'as trop donné, pas ma faute. » Pourtant, on a des fois cette mentalité-là où est-ce qu'on pense qu'on va prendre Dieu au dépourvu. T'as trop fait, je peux plus t'aider. C'est ridicule, mais c'est ça la stupidité de notre réflexion des fois. C'est là qu'on dit justement, on fait confiance à Dieu et on agit. En mettant ensemble la conclusion, j'ai venu à comprendre une raison pourquoi Dieu m'a lancé dans 2 Corinthiens. À part le fait que j'aime les épîtres mis de côté, comme Philémon, Colossiens et bien sûr le méchant Ecclésiaste. Une autre raison pour 2 Corinthiens, c'est parce que j'allais vivre beaucoup de ce que j'allais prêcher face au livre. C'est pas la première fois que je vous dis ça, là, je suis en train de le vivre. Devinez quoi? Ça, là, je suis en train de le vivre. Et je dis ceci en toute humilité. Je dis ceci parce que vous me connaissez. Donc, voici mon petite histoire. À la fin de 2015, Dieu avait quand même rempli mes greniers assez bien. Financièrement, ça allait bien. Pas aussi bien que les Rebida, qui sont riches. Ils savent qu'ils sont riches. Mais quand même, pour moi, c'était beaucoup. Et là, Dieu m'a dit, faut que tu te donnes et que tu donnes. Faut que tu fasses des bonnes œuvres et que tu sois prête à donner de ce que je t'ai donné. Donc, janvier, février, c'est un temps pour donner. Et je vous dirais qu'à la fin, Dieu n'a pas nécessairement rendu la monnaie de ma pièce. Dans le sens que Dieu ne m'a pas donné autant que j'ai donné, si tu peux dire comme ça. Mais il s'est occupé de moi. Là, ensuite, Dieu m'a dit, donne encore beaucoup plus. OK, Seigneur, fais confiance. Et c'est là qu'il m'a donné surabondamment plus que ce que j'avais donné. Et dernièrement, il m'a dit encore, encore. Oui, Seigneur. Pendant que j'avais encore la résolution dans mon cœur de donner, il a fait encore surabonder les finances à tel point que j'ai été un petit peu plus généreux dans ce que Dieu m'avait mis à cœur de donner. Là, je pense que vous comprenez ici, mon but, ce n'est pas de me péter les bretelles, ni non plus de vous dire que Dieu va toujours faire surabonder quand vous donnez. Alors, j'ai commencé en disant que Dieu ne m'a pas toujours donné la monnaie de ma pièce. Mais Dieu s'est toujours occupé. Toujours occupé et pourvu pour moi. Et j'ai prétendu aussi de mentionner que ce n'est pas juste financièrement. Puisque Paul parle de bonnes œuvres et de justice, donc d'obéissance dans tous les sens, je ne crois pas que les versets 6 à 10 doivent s'arrêter seulement aux finances, même si certains le croient. Je pense que ça nous montre que c'est l'idée première de se donner. Être résolu avec joie de dire « Dieu, prends tout », comme on le chante. Et je peux vous dire que dans la dernière année, il y a des moments où ma batterie était à zéro. Et même si je demandais à Dieu pour plus, Dieu, il me gardait à zéro. Là, je suis encore ici, donc il m'a rendu ici à zéro. Et maintenant, je suis à 110 %. Mathématiquement, ça ne se peut pas, mais Dieu.
Tout ça pour dire, ça revient, comme je l'ai répété à plus qu'une fois, comme un bon preacher, pour faire confiance à Dieu, puis agir. Mais ça me permet et m'oblige de faire une petite parenthèse matinale. Pas matinale, matinale. Et c'est simple. Faire confiance à Dieu, il faut le connaître. Ça veut dire savoir qu'est-ce qu'on croit et pourquoi qu'on croit. Ça veut dire aller dans la parole pour l'approfondir et le connaître. Mais ça veut aussi dire le mettre au défi. Comme le passage nous montre, on a une résolution, on agit, puis on fait confiance qu'il va s'en occuper. On fait des pas de foi, puis on le laisse faire sa part, et c'est toute une part. En réalité, comme on l'a vu, il fait tout. Fin de la parenthèse. Donc, que Dieu nous aide à lui faire confiance, prions. Vraiment, tout puissant, c'est une grande vérité de pouvoir tout simplement dire « Dieu va s'occuper de nous ». On sait que tu t'occupes de toute la création, mais plus encore pour nous, de savoir que tu prends un tendre soin de tes enfants, que tu t'intéresses à chacun de nos cheveux, que tu t'occupes de chaque aspect de nos vies, que nos plus grandes tristesses et souffrances ne sont pas inconnues à toi, que ça ne donne rien de toute façon à les cacher, parce que tu les vois. De savoir que tu es celui qui nous a amenés ici maintenant, et pour certains, ça va faire plusieurs années que tu es amené ici maintenant. On peut donc savoir que tu vas nous amener jusqu'au ciel, nous amener jusqu'à Beauport. Père, aide-nous à vraiment bien te connaître, assez bien te connaître pour te croire, te faire confiance et de faire les pas de foi. Je te prierai, Père, pour la jeunesse de cette Église, pour ces jeunes ados qui entendent parler de ce Dieu à qui faire confiance, puis la Bible qu'il faut lire, puis l'étudier, et que tu leur mettes à cœur de te prendre au sérieux cet appel. Cette idée de connaître Dieu devrait les émerveiller, les étonner, les laisser bouche-pée, puis les motiver. Ils peuvent connaître Dieu. Ils peuvent connaître comment Dieu pense. Encore plus que ça, Dieu veut les connaître. Dieu veut se révéler à eux. Ça, c'est meilleur que n'importe quel livre qu'on peut lire, qui sont peut-être intéressants, n'importe quel film qu'on peut écouter, qui peut être amusant. C'est de pouvoir, A à Z, connaître Dieu, celui qui n'est pas créé, celui qui est plus grand que toute autre chose, parce que tu veux dévoiler ton cœur à nous. Que tes appels à te faire confiance et à avancer dans leur jeunesse, dans leur futur, dans leurs plans, qui te mettent au défi, qui crient à toi pour que tu te révèles à eux. Parce que quand tu fais ça, Père, on ne reste pas indifférent. Quel courage de vouloir te connaître. Et pour nous tous, Père, la prochaine fois que tu vas nous envoyer une petite voix dans notre cœur qui dit « Agis », qu'on fasse confiance. On ne peut pas se tromper quand on parle d'obéir et d'aimer Dieu. Aide-nous donc à te faire confiance